Premier ministre Narendra Modi s'est rendu à Moscou. Il a été reçu par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. À l'issue de leurs différents échanges, il ressort que la coopération sur le plan énergétique, comptant évidemment l'énergie nucléaire et le raffinage du pétrole, sont en pole position. Les exportations indiennes seront plus accrues vers la Russie afin d'équilibrer les échanges bilatéraux, mais les dirigeants qui représentent aujourd'hui les visages de la construction d'un monde multipolaire ont également conclu du fait que la résolution pacifique du conflit en Ukraine était une nécessité. Le Premier ministre indien et le président Vladimir Poutine ont convenu ensemble de mettre des stratégies pour améliorer les partenariats entre l'Inde et la Russie. Mais cela ne s'arrête pas là, car d'autres yeux, observateurs avertis, aimeraient bien voir au travers de ces relations entre la Russie et l'Inde une particularité qui permettrait au sud global d'élargir ses tentacules dans le monde sur le plan des coopérations et des différents partenariats. Certainement l'avis partagé de notre invité de regard panafricain qui n'est nul autre que Dr Dalvaris Ngoudjou, économiste, géostratège, analyste. En tout cas, merci d'être avec nous dans ce studio pour Regard panafricain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Bonsoir à l'ensemble des téléauditeurs de Foyou Media et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Les échanges dans le cadre de Regard panafricain démarrent juste après cette transition. Sud global, quel impact les relations entre la Russie et l'Inde ont donc dans cette zone, dans cette région? On en parle avec vous, docteur Dalvaris Ngoudjou. Vous avez suivi, tout comme nous, cette visite indienne en Russie à l'occasion de ce sommet Inde-Russie. À la fin du sommet, il ressort qu'il faut normalement résoudre la crise en Ukraine, par exemple, qu'il faut élargir les partenariats, mais cela ressort que ce sont les décisions habituelles qui se prennent à la fin des visites diplomatiques comme celle-là. Mais que représente réellement la relation aujourd'hui entre la Russie et l'Inde à l'aune de la situation géopolitique actuelle? On pourrait peut-être remonter dans le fait que Narendra Modi, qui a son troisième mandat en tant que Premier ministre, représente, comme je le disais tout à l'heure, l'un des visages de la construction du monde multipolaire. Oui, justement, comme vous le dites si bien, Madame Begoudé, il y a de cela quelques jours, le Premier ministre indien s'est rendu en visite à Moscou et avec son homologue, avec le président de la Fédération de Russie, ils ont abordé un ensemble de thématiques qui ont un impact sur leurs relations d'abord au bilatéral, mais surtout sur ce que vous avez bien fait d'appeler le sud mondial. Parce que tout le monde a bien pu remarquer, pour ceux qui observent un peu la scène géostratégie mondiale, en réalité, malgré la grande puissance de l'Inde, d'abord par sa population, de par son économie aussi, une bonne partie de l'économie indienne est extrêmement imbriquée dans le système économique occidental. En d'autres termes, la coopération entre l'Inde et les États-Unis et bien d'autres pays européens est extrêmement avancée. Ce qui fait qu'en certains moments, même au niveau de la crise économique que vous avez soulevée un peu plus haut, des gens estimaient qu'un pays, notamment les Occidentaux, estimaient qu'un pays comme l'Inde ou la Chine pourrait faire pression sur la Fédération de Russie parce qu'il y a une certaine puissance. Mais surtout, du fait de la coopération extrêmement avancée entre l'économie indienne et les économies occidentales, beaucoup se sont dit qu'en réalité, l'Inde devait beaucoup plus peser du côté de ces pays-là. Et force est de constater que ça n'a pas été le cas. D'abord dans les faits sur le côté économique, qu'on va peut-être aborder tout à l'heure. Vous avez pu remarquer que avant la guerre, par exemple, les échanges entre l'Inde et la Fédération de Russie, c'était autour de 10 milliards de dollars.
Directement après la guerre, donc au niveau de cette année fiscale, les échanges, c'est un peu plus de 60 milliards de dollars, dont 65,7 milliards de dollars. Ça fait que le bond est extrêmement considérable. C'est une avancée de plus de près de 600%, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Mais à côté de cela, la relation entre l'Inde et la Fédération de Russie, il y a un très petit équilibre. Vous savez, il y a d'abord une grande puissance. Vous savez, si on rentre dans l'histoire, vous savez, en réalité, l'Inde et le Pakistan formaient un pays. Mais les Britanniques, parce que c'est les pays qui ont été colonisés, les Britanniques, quand ils quittaient, ils ont fait comme ils font d'habitude, ils sont arrangés. Quand il fallait attribuer entre guillemets les indépendances, ils sont arrangés qu'il puisse avoir une guerre fratricide entre le Pakistan et l'Inde, ce qui fait que ce qui a contribué à la scission de ces deux pays-là qui forment deux pays aujourd'hui. Mais il y a un conflit toujours latent, le conflit dans le Cachemire indien qui est frontalier avec le Pakistan. Et c'est une zone qui est extrêmement tumultueuse. Or, le Pakistan a des relations extrêmement étroites avec la Fédération de Russie et la Fédération de Russie a des relations extrêmement étroites avec l'Inde. La preuve en est, aujourd'hui, jusqu'à près de 80% du matériel militaire utilisé en Inde, c'est du matériel qui est acheté d'abord par l'Union soviétique, ensuite à la Fédération de Russie. Mais de l'autre côté, une grande difficulté que certains Occidentaux essayent d'exploiter, c'est qu'en fait, la Fédération de Russie est extrêmement proche de la Chine. Juste que la Chine et l'Inde sont en conflit permanent, pratiquement au niveau frontalier, sont très grandes puissances. En réalité, sont les deux grandes puissances asiatiques à ce niveau-là. Et à un moment, on se disait que puisque la Fédération de Russie est très proche à la Chine et que l'Inde est en conflit avec la Chine, la Russie devait tout faire juste pour, je sais pas quoi, sauvegarder ses relations avec la Chine, d'autant plus qu'on sait que la Chine joue un rôle important pour maintenir l'économie russe je sais pas quoi, à flot, quoi. Donc, pour dire que c'est une relation qui est extrêmement délicate. C'est pourquoi je souligne l'aspect d'abord du Pakistan avec l'Inde, conflit, mais pourtant étant proche à la Russie, avec je sais pas quoi, avec Chine, extrêmement délicate, pourtant un bon allié à la Chine. Ça fait qu'en fait, le président Vladimir Poutine a marché pratiquement sur un fil. Et c'était extrêmement difficile de pouvoir avoir de bonnes relations entre un pays, ou alors entre trois pays qui sont plus ou moins des frères-ennemis, et tout en maintenant les relations cordiales avec les autres. Parce qu'il faut bien comprendre que quand Narendra Modi s'est rendu à Moscou, un impact extrêmement important, c'est que les accords qu'ils ont signés, ils ont signé par exemple les JMD. Les JMD, c'est le déploiement des forces conjointes. Ce qui ne se fait pratiquement pas quand on n'a pas un degré de confiance. De manière pratique, ça veut dire que les navires indiens, ou alors l'Inde peut déployer ses hommes à tout moment sur les installations militaires en Fédération de Russie et vice-versa. En d'autres termes, les navires indiens peuvent vous mouiller parfois dans les ports russes. Il peut y avoir les déploiements dans les deux sens, ce qui n'était pas, ce qui n'existait pas. Or, les Occidentaux n'ont pas vu cela venir. Parce qu'on pouvait faire tout type d'accord, mais on peut pas imaginer que Narendra Modi, qui est extrêmement proche de Washington, qui est proche de Londres, soit dit en passant, l'ancien premier ministre indien, Rishi Sunak, c'est un Indien. L'ancien premier ministre britannique, c'est un Indien. C'est un Indien. Donc, je t'avais dit que les relations sont extrêmement imbriquées. Mais quand ils voient que Vladimir Poutine a pu, par une certaine alchimie, maintenir tout cela dans un contexte qu'on ne s'attendait pas à ça. Maintenant, le timing. Nous sommes dans un timing où, il y a à peine quelques jours, le président russe était à Pyongyang. Il a signé des accords. C'était ouvert, pratiquement. C'était des accords extrêmement ouverts. Des accords, pratiquement. C'est des alliances militaires extrêmement ouvertes avec la République populaire démocratique de Corée et la Corée du Nord. Et, oui, ils se sont même dit que si un des deux États est attaqué, l'autre serait prêt à pouvoir intervenir. Ça n'existerait, ça n'existait nulle part. Parce que, contrairement, je vais faire une petite parenthèse, contrairement à ce que les gens se disent, même au niveau de l'OTAN, l'Alliance de l'Atlantique Nord, l'article 5. C'est aussi élargi que ça. Oui, exact. Oui, et au niveau de l'article 5, parce qu'en fait, la charte, les gens parlent tout le temps, même les Européens, mais je ne sais pas s'ils oublient pour certains, au niveau de l'article 5, parce que c'est l'article 5 qui implique que si une personne est attaquée, toute personne peut intervenir. Mais l'article 5 est clair. Ce n'est pas, l'intervention n'est pas c'est automatique. C'est avec des hommes sur le terrain, de toutes les façons. Non, non, non. C'est avec des hommes. Oui, oui. Ça veut dire, par exemple, si peut-être l'Angleterre ou n'importe quel pays de l'OTAN est attaqué, en réalité, s'il déclenche l'article 5, toute
tout autre membre de l'OTAN se sentirait attaqué. C'est ce qu'on a dit, ça va du principe de tous contre un contre tous. Et que si je t'attaque, c'est que j'ai attaqué tout le monde à la maison. Mais juste que l'article C ne dit pas que c'est automatique. Ça veut dire qu'en réalité, chaque État membre peut se sentir libre d'attaquer. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre hongrois Orban, il dit toujours que non. Si vous faites une attaque militaire en Fédération de Russie, les troupes hongroises ne peuvent pas aller. Plus c'est la loi, en fait, la charte de l'OTAN permet cela. Et je mets ça en parallèle avec l'accord qu'il y a avec la Fédération de Russie. C'est pas la même chose. Là, les accords qu'ils ont eu avec les Nord-Coréens, c'est qu'en réalité, ils seront prêts à déployer jusqu'aux troupes sur le terrain. Ça, c'est dingue. Donc, je rentre au niveau du timing. Si vous voulez, quand Vladimir Poutine va à Pyongyang, il y a ces accords, il y a les accords sur le plan alimentaire, sur le plan économique, même les succès, vous avez pu remarquer, les grands succès qu'ont connus, par exemple, la Corée du Nord ces derniers temps, ce qui concerne son programme balistique, on sent qu'il y a une signature là-dedans. Parce que beaucoup de tests, parce que c'est une technologie qui n'est pas maîtrisée par les Américains. Ils font tous les tests pour balistique au niveau hypersonique. Les missiles hypersoniques, les Américains ne parviennent pas à s'en sortir là-bas. Ils ne parviennent pas jusqu'à présent dans le monde entier. Il y a la Fédération de Russie qui maîtrise, il y a les Iraniens, il y a les Nord-Coréens, il y a les Chinois. Remarquez bien que ce sont un ensemble de nations qui sont dans un axe. Effectivement. Quelque part, on sent qu'il y a de l'ingénierie russe qui joue un rôle non négligeable dans l'essor de ces nations-là, dont Ivan à Pyongyang. Ici, c'est petit type d'accord, les alliances, mais surtout, il y a quelque chose qui a aussi son pesant d'or. C'est que quand Vladimir Poutine quitte Pyongyang, il va où? Il va au Vietnam, il va à Hanoï. Il est reçu par les autorités vietnamiennes et il rappelle, parce que ça passe toujours inaperçu, vous savez, une des guerres. C'est vrai que les Américains n'ont gagné aucune guerre, mais la guerre qu'ils ont officiellement perdue directement de par le monde entier, c'est la guerre du Vietnam dans les années 70. Et ce qu'on oublie parfois de souvenir, c'est qu'en réalité, le Vietnam était soutenu par l'Union soviétique et la Chine, qui sont des nations communistes. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, le drapeau du Vietnam, c'est le drapeau rouge, donc qui est toujours le symbole du communisme. Donc, Moscou, à l'époque, a beaucoup soutenu le Vietnam pour que le Vietnam puisse gagner la guerre contre les Américains et les Occidentaux. Et quand ils repartent là-bas, justement, quand Vladimir Poutine arrive, mais surtout que, ne pas oublier que ces derniers temps, le Vietnam, en réalité, était beaucoup plus proche des Occidentaux. Ouais, un peu. C'est la raison pour laquelle parfois, à un certain moment, les Occidentaux ont voulu créer un certain conflit entre le Vietnam et la Chine, qui est une grande puissance régionale. Je veux dire, quand il quitte Pyongyang, il va à Hanoï, il signe des accords qui sont extrêmement importants. C'est vrai qu'ils n'ont pas été tout publiés parce que notamment les accords économiques, des accords militaires, etc., etc. Ensuite, quelques jours après, on fait allusion à la visite de Narendra Modi à Moscou. C'est vrai que c'est un timing qui est extrêmement organisé. Nous sommes en train de peut également mettre dans ce timing la réunion des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai? Oui, on peut mettre les pays de l'OCS à l'intérieur, mais en fait, là, c'est une réunion, ça, c'est multilatéral. Oui, c'est pas mauvais, mais c'est multilatéral. On parle des relations bilatérales. Donc, quand on regarde cela, que ce soit à Pyongyang, que ce soit à Hanoï, que ce soit dernièrement à Moscou, le timing est bien mis en place par les spécialistes russes. On sent qu'il y a un redéploiement diplomatique, militaire, même économique. La Russie tourne totalement le dos aux Occidentaux. Et justement, la plupart des pays que j'ai cités, ce sont des pays qui font partie de quoi? Du sud global. Oui. Donc, qui aujourd'hui, justement, même dernièrement lors de l'OCS, l'Organisation de la coopération de Shanghai, il est question d'un multilatéralisme. Et l'ensemble, remarquez bien que l'ensemble des nations qui sont membres de l'OCS, ce sont les nations qui sont du sud global et qui prônent un certain multilatéralisme. Et pour prôner un vrai multilatéralisme, il faut des nations qui sont extrêmement puissantes. Oui. Parmi ces nations, nous avons des pays qui sont membres et des BRICS et qui sont aussi membres de l'OCS et bien d'autres organisations, notamment l'Inde, la Chine, et l'Iran et la Russie. Donc je vais dire que oui, le travail effectué par les diplomates des deux nations, que ce soit l'Inde, que ce soit la Russie, a un impact important sur le sud global. D'ailleurs, remarquez bien que comme vous avez pris l'exemple d'un sommet de l'OTS à Astana, si je ne me trompe pas, il était question dans le comité final de participer à remodeler totalement l'Organisation des Nations Unies. Parce que dans le comité final, ils estiment que les Nations Unies ne reflètent rien de réalité mondiale aujourd'hui. Parce qu'en fait,
Le poids, par exemple, qu'occupe la France aux Nations Unies, c'était parce que, je vais dire son siège, par exemple, au Conseil de sécurité, c'était du fait que la France représentait les pays africains. Et aujourd'hui, beaucoup de pays africains ne veulent plus se faire représenter par la France. Donc, ouais. S'il fallait prendre la France, que ce soit du point de vue géographique, je vais dire la superficie, elle ne représente pas grand-chose. Du point de vue des locuteurs, donc des personnes qui parlent la langue française de par le monde entier, ça représente pas grand-chose. Il y a plus, ça passe inaperçu, mais il y a plus de locuteurs du russe dans le monde entier que français. Oui. Parce qu'en réalité, parfois quand on parle du russe, les gens ont l'impression que ce n'est qu'en Fédération de Russie. Non seulement en Fédération de Russie, on parle le russe, mais en réalité, l'ensemble des pays du pacte de Varsovie, l'ensemble des pays de l'ère de l'Union soviétique, en réalité, tous ces pays-là ne parlent que le... Ils parlent que le russe, ils ont parfois des petites langues, mais ils parlent essentiellement le... Oui. Essentiellement, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui parlent de russophone dans le monde entier que les francophones. Du point de vue de la superficie, la France, c'est une petite tâche par rapport aux autres. Du point de vue des locuteurs, comme j'ai parlé, mais là, du point de vue économique, vous avez pour regarder les derniers chiffres de la Banque mondiale qui établissent clairement que du point de vue de la parité entre le pouvoir d'achat et le PIB, la Russie aujourd'hui est la quatrième puissance mondiale, devant le Japon, devant l'Allemagne. Le top 4, c'est la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Fédération de Russie. Je veux dire, quand on prend ces critères de manière macroscopique, la France n'a rien dit dans... de manière sérieuse quand les grands du monde doivent s'asseoir. Et justement, dans le comité final de l'OCS, il est clairement dit qu'il faut remodeler totalement les Nations Unies. Je prends un autre exemple pour sortir. Vous savez par exemple que à la Banque mondiale, les Américains sont minoritaires. Ils ne sont qu'autour de entre 15 et 17%. Alors, ça veut dire, alors que dans la prise de décision, ils refusent à dire si plus de 80% votent une décision. Les Américains qui n'ont que moins de 19% sont capables de dire qu'on ne va pas donner l'argent à X ou Y pays. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, tout récemment, vous avez regardé à propos de l'affaire de Wikileaks. J'oublie son nom. Assange, oui. L'élément que l'on a utilisé pour inciter le Pérou quand il était à leur ambassade en Angleterre, c'est qu'on leur a, les Américains ont donné près de 13 milliards de dollars. Alors qu'ils n'avaient pas ce pouvoir-là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont que autour de 17% de voix au conseil d'administration. Mais comme tout est totalement biaisé dans ces institutions qui sont contrôlées par les Occidentaux, on a pu peser, on a pu implémenter la décision des Américains. Donc, juste pour dire que ce soit les Nations Unies, que ce soit d'autres institutions comme les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI et tout le reste, dans le comité de l'OCS, il est clairement dit que toutes ces institutions sont instrumentalisées par les Américains, sont instrumentalisées pour atteindre d'autres objectifs, parfois politiques. Et dans le comité, ils disent que on va réformer. Et quand on réforme, on pense aux pays du sud global, notamment des pays africains, qui sont, dans quelques années, plus d'une personne sur Terre sera un non-africain. Mais, curieusement, nous ne sommes pas représentés au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc., etc. Donc, je vous dis que oui, que ce soit l'OCS, que ce soit d'autres, que ce soit les éléments à Moscou, à Pyongyang, à Hanoï et bien d'autres même à Shanghai, tout cela va dans le sens d'un renforcement du poids du sud global sur l'échiquier mondial. Merci docteur Ngoudjou pour cette lecture. Eh bien, vous avez mentionné tout à l'heure les soubresauts, on peut les appeler ainsi, entre la Chine et l'Inde. On l'a constaté d'ailleurs avec l'absence de l'Inde à cette réunion de l'OSC ou alors de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais on remarque que Vladimir Poutine joue d'une certaine manière les équilibristes entre tous ses partenaires. Malgré ces froids entre la Chine et l'Inde sur le plan frontalier, on remarque quand même qu'ils ont la même vision au sein des BRICS, si on ne peut dire que cela. On remarque que la politique étrangère, la politique économique est partagée par l'Inde, par exemple. On se souvient de l'arrivée de Narendra Modi en 2014 par là à son poste de Premier ministre. Et sur place, Vladimir Poutine a salué quelqu'un qui a réussi à rehausser l'image de l'Inde sur le plan mondial, rehausser l'image même économique et même en termes de démographie de son pays sur le plan mondial. On ne va peut-être pas dire qu'il y a forcément un impact russe dans cette aide-là, mais
aujourd'hui, les rapports entre les deux sur le plan économique, sur le plan alimentaire, sur le plan même sécuritaire, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, pèsent quand même l'eau sur la balance. Comment faire pour que ces relations entre les deux influent directement sur les autres pays du Sud global? Moi, je pense que ce soit l'Inde, que ce soit la Fédération de Russie, ont pris un certain nombre de dispositions déjà. C'est une grande révolution. Parce qu'en fait, les deux nations sont membres des BRICS. Et déjà, il y a de ça quelques années, ces nations sont mises ensemble pour créer ce qu'on appelle la Banque des BRICS, qui est en réalité, qui est, je vais dire, une concurrente à la Banque mondiale. Oui. Et qui a un capital plus énorme que la Banque mondiale. D'ailleurs, vous connaissez les chiffres, parlent d'eux-mêmes. Que ce soit quand on lit l'ensemble des nations du BRICS, que ce soit en PIB, que ce soit en superficie, que ce soit en marché, parce qu'un élément important de puissance, c'est la population, c'est-à-dire le marché. Les populations indiennes et chinoises sont extrêmement considérables. C'est plus de 2 milliards d'habitants, ce qui constitue un marché extrêmement important. Maintenant, l'impact au niveau des pays du Sud, je ne parle rien qu'au niveau financier. Oui. Si vous avez déjà un pays, ou si vous avez déjà une institution financière qui consent à vous prêter de l'argent sans conditionnalité particulière d'impact sur les affaires, sur vos affaires internes, c'est tellement important. Je n'ai pas besoin de revenir sur par exemple, en Ouganda, vous savez, il y a une certaine loi qui avait été prise, votée tout récemment concernant les LGBT. Oui. Et directement, les Américains ont dit on ne va vous donner pas être prêt parce que, alors qu'en principe, il n'y a pas de relation entre les deux. Oui. On a vu les mêmes choses au Ghana, on a vu les mêmes choses dans beaucoup de pays. Alors que l'autre côté, au niveau de la banque des BRICS, on prend de l'argent, on n'a pas besoin de regarder les affaires. On peut vous imposer un certain nombre de mœurs qui ne sont pas forcément en accord avec vos habitudes. Oui. Là, ce n'est qu'un exemple. Quand je prends un pays qui est membre des BRICS et membre de la banque des BRICS, comme la Chine, par exemple, la Chine prête parfois de l'argent aux Africains à des taux de 2%. Or, avec les Américains, les Japonais ou les Occidentaux, les gars prêtent à 7% ou parfois 10%, parfois 12%. Ça dit, c'est de l'argent qu'on ne pourrait jamais rembourser. Je vais dire, rien que sur ces exemples-là, je parle juste au niveau financier. Que ce soit ici au Cameroun, que ce soit dans beaucoup de pays, même quand vous allez en Éthiopie, une bonne partie des infrastructures sont faites, par exemple, par les nations de BRICS, notamment la Chine. Ça veut dire, c'est quelque chose qui a un impact considérable. Quand je prends un exemple simple, si l'AFD, l'agent français de développement, vous dit elle a prêté 100 milliards au Cameroun pour faire telle ou telle chose, ça, c'est des chiffres. Après, il n'y a pas un réel impact sur la vie de la population. Oui. Mais quand la Chine dit que, OK, on fait des accords, que nous allons, on va vous prêter 100 milliards, mais on va faire, par exemple, l'autoroute Douala-Yaoundé. C'est des choses qui sont concrètes, qui, si le Cameroun respectait sa partie, la Chine aurait déjà pu se discuter l'argent. C'est quand les Chinois disent, OK, on va vous donner 500 milliards, je dis n'importe quoi, comme chiffre. Les gars disent, on vous développe un pont en eau profonde à Kribi. C'est des choses qui sont concrètes, qui rentrent les devises au Cameroun, qui permettent aujourd'hui que le Cameroun reçoit les grands ports de conteneurs. Alors que, vous savez, il y a quelques années, le port de Douala a toujours été extrêmement engouffré, extrêmement fermé. Mm. Quand les Chinois disent que, OK, nous allons construire les infrastructures comme l'adduction d'eau dans la ville de Douala, ils le font, c'est des choses concrètes, qui ont de l'impact sur notre vie, etc., etc. Ça sont que des exemples. Mm-hmm. Oui, je veux dire, si nous avons des pays comme ceux-là, l'Inde, la Russie, ou je ne sais pas quoi, ou la Chine. Prenons rien que tout récemment, vous avez bien pu voir que la Russie, par exemple, elle parle avec les nations de l'ES, elle dit, OK, on va vous faire une centrale nucléaire, civile, qui permettra... Mais nous avons tous les problèmes d'énergie dans nos pays depuis 70 ans. On travaille avec les Français. Mais les Chinois, les Russes viennent en trois jours, ils disent que non, on vous fait une centrale. Alors que le Niger produit de l'uranium. Alors qu'il n'y a même pas éclairé. Je veux dire, l'impact est réel sur la vie de la population. Vous avez pu remarquer tout récemment, le Burkina est en train de tendre, s'il continue à travailler comme il travaille les ingénieurs russes, ils vont atteindre la suffisance, une certaine autonomie sur le plan alimentaire. Ça, ce sont des choses qui sont concrètes. Et ça, on se comprend. Je vous dis que nous avons travaillé. Je prends l'exemple, vous savez, chez nous, par exemple, dans la partie nord du Cameroun, on a du bétail. Mais juste que les personnes qui ont commencé à venir avec ce bétail au Cameroun, c'était le colon, parfois, ils arrangeaient à introduire chez nous les vaches qui ne peuvent pas faire assez de lait. C'est pourquoi chez nous, on élève essentiellement pour manger. Pourquoi avons-nous du bétail, nous n'avons pas de lait? Parce qu'avec les entreprises comme Nestlé, on est contraint d'importer du lait tout le temps pour continuer, soit certains pour nourrir les enfants, ce qui n'est pas conseillé, soit certains
pour les besoins alimentaires de la population. Alors qu'on aurait pu avoir des bonnes races, avec des bons spécialistes, nous aurons non seulement pu avoir de la viande dans nos assiettes, mais aussi oui. du lait sur les années à venir. Mais quand des spécialistes, que ce soit en Suisse ou les spécialistes français, ou même avec les Européens à Bruxelles, quand ils ont en place la politique agricole commune, ils se disent que non, si ces Africains commencent à produire, je ne sais pas quoi, le produit alimentaire, à produire le lait, ça veut dire, ils ne vont plus acheter le lait chez nous. Les gars, ça arrange à ce que nous restons dans l'obscurité. Alors que la coopération, je prends un exemple, la coopération entre le Burkina et la Fédération de Russie porte ses fruits. Nous sommes en train de parler d'un pays qui est quasi désertique. Mais ils ont une possibilité. Il y a des récoltes. J'ai pu regarder quelques images. Il y a un impact déjà. Alors qu'il y a cela à peine quelques années, c'était la misère totale. Ce que je dis là, on peut voir ça dans. On peut dupliquer l'exemple dans beaucoup de pays. Moi, je dis, il y a une certaine connaissance, il y a un certain savoir-faire chinois, il y a un certain savoir-faire indien, oui. il y a un certain savoir-faire russe. Et bien d'autres qui peuvent avoir un impact considérable sur le sud global. À côté de cela, il y a des moyens financiers énormes, que ce soit de la Chine, que ce soit de la Russie, que ce soit de l'Inde et bien d'autres pays, qui peuvent avoir un impact énorme sur le sud global. Je vais dire, s'il n'y a qu'une coopération entre le sud global et ces nations du BRICS-là, ou entre elles, puisqu'elles aussi font partie du sud global, vraiment, on peut fonctionner avec des impacts. Ce que je dis là, il y a une tonne d'exemples qu'on peut dupliquer. Je crois que c'est hier que j'apprenais que les soldats maliens sont allés au Burkina pour apprendre des connaissances et l'expérience des forces burkinabées dans le antiterrorisme. Alors que ça fait des années qu'on travaille avec certains gars, mais il n'y a aucun impact, etc. Et je crois que vous avez pu remarquer à Ouaga même qu'il y a des coopérants militaires russes qui sont là. Les résultats qu'on rencontre sur le terrain, c'est parce qu'il y a des conseils militaires qui font un travail formidable. Donc moi, je veux dire qu'il peut y avoir beaucoup d'arts de coopération entre ces grands acteurs internationaux. Et l'impact, s'il y a une certaine volonté, l'impact peut être très grand. Il m'arrive parfois d'être en Chine et il y a une certaine volonté de travailler. Je prends un exemple très simple. Vous savez, en Chine, un élément qui a participé au grand développement de la Chine, c'est que le coût de la main-d'œuvre était extrêmement bas. Oui, mais maintenant, au fur et à mesure que les Chinois connaissent l'argent, les gens commencent à dire, je peux travailler pour tel nombre de yens, pardon, je préfère aller à l'étranger, je peux aller au Cameroun. Là-bas, quand tu as un peu d'argent, tu fais ta boutique, tu commences. Effectivement, ça fait que le coût de la main d'œuvre devient de plus en plus cher en Chine. Et la Chine est en train de vouloir délocaliser. Ils sont en train de vouloir partir dans des pays africains où le coût de la main d'œuvre est plus abordable. Et pour cela, c'est nous qui passons à côté. Oui. Au Kenya, en Éthiopie, il y a de plus en plus d'entreprises chinoises qui s'installent, etc., etc. C'est une occasion pour nous parce que le coût de la main d'œuvre chez nous est extrêmement abordable. C'est un pays comme le Cameroun où les salaires qu'on paye chez nous, vraiment, c'est de la misère. C'est de la misère. Mais je dis, dans un contexte comme celui-ci, la Chine a profité justement des salaires des misères pour se développer parce que les infrastructures sont là. Quand les Européens ont délocalisé toutes leurs usines pour profiter de la main d'œuvre, les usines sont installées aujourd'hui en Chine. Et quand ils travaillent en Chine, ils travaillent avec des Chinois qui voient le savoir-faire américain, qui voient le savoir-faire allemand, etc. etc. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de téléphones. Vous savez, les Chinois, ils ont créé leur système Android. Ils n'utilisent plus le système, puis on les a fait tous les blocus là. Oui. Vous savez, une bonne partie des téléphones, iPhone par exemple, c'est fait en Chine. Quand les Chinois, aujourd'hui, nous sommes en train, les téléphones que nous utilisons, que ce soit la connexion Internet, c'est la 4G. Les Chinois, ça fait des années avec Huawei, il y a des 5G. Oui. Que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, on les a fait tous les blocus. Actuellement, en Chine, on est en train de développer la 6G, etc., etc. Parce qu'ils ont pu travailler. Quand les entreprises européennes se sont délocalisées là-bas, les IMS et tout le reste, ils ont pu apprendre. Aujourd'hui, prenons rien que l'exemple avec Moss de Tesla. Vous savez, c'est les puissants du monde, les véhicules électriques, etc., etc. Oui. Mais maintenant, les meilleurs, c'est qui? C'est les Chinois. C'est Bird qui fait maintenant les meilleurs. Ils sont en train de faire, ils ont fait un véhicule, ça fait 2 semaines, qui fait, ils avaient une autonomie de 2000 km. Alors que la grande difficulté en Europe et aux États-Unis avec les véhicules électriques, c'est qu'il faut, vous faites quelques centaines de kilomètres, il faudrait recharger. Or, pour charger, il faut avoir des bornes. Il faut que les bornes soient partout. Rien que l'installation de ces bornes, ça coûte extrêmement cher. Oui. Il faut avoir les batteries extrêmement puissantes pour garder l'énergie. Alors que les Chinois, avec chacun, si vous prenez un véhicule BERT chinois, vous le chargez plein, vous partez à Garoua, vous partez à Kousséri, sans avoir besoin de charger. Est-ce qu'il y a maths?
Et ils font ça à 40% plus moins cher que les voitures, que les voitures européennes ou américaines qui sont électriques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les concessionnaires, quand vous voyez un constructeur de véhicules français comme PSA Peugeot, sans publicité, ils sont... viendront tous payer la publicité. Hein. Oh. Docteur Boudiou. Donc, en fait, oui. eux, ils sont concessionnaires. Ils partagent aujourd'hui. Je dis non, ils sont distributeurs des marques chinoises. Etc., etc., du fait que ce qui s'est même passé, c'est que je crois que les Européens, ils ont pris des accords, je crois, là. Ils ont pris des décisions, ça fait quelques semaines déjà, disant que ils ont utilisé le taux de douane pour que les voitures chinoises soient plus chères, en Europe. Juste que la Chine, la semaine passée, a signé un accord avec la Turquie pour avoir une usine d'assemblage là-bas. Aussi, les Européens, quand ils font une usine d'assemblage en Turquie, vous savez, la Turquie a un accord de libre-échange avec l'Union Européenne. En d'autres termes, une marchandise produite ou assemblée en Turquie peut entrer en Union Européenne sans payer le droit de douane. Et comme ça va être fait en Turquie, les Chinois font entrer sur le marché européen sans payer le droit de douane. Je veux dire, là, ce n'est que le côté commercial. Mais du côté de la technologie, il y a un savoir-faire qui peut être utile aux nations africaines et vice-versa. Maintenant, sur le continent africain, le continent africain, c'est un vivier de beaucoup de matériaux, de beaucoup de minerais dont ces industries peuvent avoir besoin. En parlant de l'Inde, vous savez, l'Inde, c'est le premier métallurgiste mondial, c'est indien, c'est Mittal Steel, qui a fait beaucoup de bruit en Europe en son temps. Et vous savez, l'Inde, c'est un très grand pays qui a besoin d'acier pour son industrie, qui a besoin de beaucoup de choses pour son industrie. Et tout cela, on peut retrouver cela en Afrique. Juste que, contrairement à ce que les Africains ont fait avec les puissances occidentales, ne plus accepter d'exporter juste les matières premières brutes. Avoir une transformation qui a une valeur ajoutée, ou du moins, au moins une première transformation, une pré-transformation. Parce qu'une pré-transformation va générer des emplois dans ces pays-là, et au-delà des emplois, il y a des impôts qui vont être payés, etc., etc. Et surtout, ça participe pour qu'il n'y ait pas une fuite de devises, etc., etc., avec un impact extrêmement, extrêmement important. Oui. Merci, docteur Dalvaris Ngoudjou. On a essayé de refaire, en tout cas, les rapports qui existent aujourd'hui entre l'Inde et la Russie et leur impact sur le Sud global. Et il en ressort que les rapports entre les deux, ou encore les rapports entre la Russie et plusieurs autres pays, peuvent influer justement sur les pays africains, par exemple. Vous avez mentionné l'industrialisation qui reste quand même un poids dans la chaussure, on va le dire ainsi, de plusieurs gouvernants africains, plusieurs pays africains. On remarque par exemple que Pékin a décidé d'octroyer un prêt de 16 milliards de francs CFA à Ouagadougou, ceci pour certains projets, des projets que le Burkina Faso pourra choisir lui-même par exemple. On constate la construction de cette première usine de transformation d'or, par exemple, sur le territoire burkinabé. Au Mali, il s'agit du coton. Au Niger, c'est l'uranium qui est en pole position. Les pays africains peuvent-ils profiter de cette manne, de cette main tendue de la Russie pour l'échange des compétences, comme on a l'habitude de le dire, en termes d'expérience, de même qu'avec la Chine? Maintenant, il faudra aussi la transparence dans les rapports. Il faudrait la transparence. Et vous voyez, ce que vous dites, vous souvenez d'un aspect très important. Vous savez, les Chinois disent, non, vous prenez de l'argent, le choix ici. Oui. Et vous savez, c'était très paradoxal avec les Européens. Vous êtes en train de mourir. Je prends juste le cas de la COVID. Vous avez tout le problème dans votre pays. Les Européens avaient la Banque mondiale, ils disent, ok, non, vous prenez de l'argent. Mais à condition que vous achetez les aiguilles chez nous pour vous injecter. Vous n'achetez que des masques pour vous couvrir le nez. Vous achetez, je ne sais pas quoi, les vaccins chez nous. Alors que ce n'est pas votre problème pas la priorité, oui. On a injecté 187 milliards qu'on va rembourser. Les gens vous obligent. Quelqu'un vous sert à manger, il dit que je t'oblige. Tu manges en me regardant dans les yeux. Tu ne regardes pas le plat. Etc, etc. Tu dis que non, s'il te plaît, je ne peux pas manger parce que je suis avec mon bébé qui n'a pas mangé. Non, l'enfant ne va pas manger. C'est eux qui fixent vos besoins, sont eux qui vous imposent comment vous allez étudier, et vous devez leur rembourser leur argent avec des intérêts. C'est pas sérieux. Vous avez d'autres problèmes. Et je dis, j'admire cette manière de fonctionner. Ils disent, ok, voici de l'argent qu'on met à disposition. Choisissez où vous voulez investir. Vous pouvez aller, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être dans les hôpitaux, ça peut aller, je sais pas quoi, mais c'est selon vos besoins. Et l'impact est plus réel.
etc., etc. C'est comme si, en fait, vous êtes invité à un festin où c'est un buffet. Vous êtes quand même libre de choisir de manger du poisson ou pas, de manger des champignons ou pas, etc., etc. On ne vous oblige pas à manger des mers. Vous savez, des pays-là, parfois, vous savez des choses qui ne sont pas dans nos habitudes. On ne vous oblige pas à manger cela. Mm-hmm. Alors que de leur côté, ça peut être la priorité pour eux parce qu'ils veulent développer les industries pharmaceutiques. Ils veulent que nous achetons. Rien que le cas de la COVID, vous savez, nous, il y a des solutions, peut-être des pharmacopées africaines, pas pour faire face. Mais curieusement, ces solutions, Gleda et tout le reste, on a fait ce qu'on a pu pour que ça reste dans le silence total. La grande priorité, ça partait à l'étranger. C'est-à-dire, ils vous donnent de la main gauche, ils prennent de la main droite, ils vous donnent des trucs à vous mettre sur le nez, alors vous n'avez pas de problème. Parce que dans beaucoup de cas, ils se sont dit que mais les Africains, par rapport à la COVID, on a comme impression qu'il y a une forme d'immunité. L'impact là-bas n'est pas comme chez nous, alors que nous avons des conditions d'hygiène et autres moins développées que chez eux, etc. Je vais dire, ce que la Chine fait, c'est quelque chose à encourager. Et maintenant, si l'impact peut être positif, on peut voir comment implémenter dans d'autres domaines. Ça veut dire, avec la Chine et même avec d'autres pays. C'est pourquoi c'est à nous. Parfois, nous avons des difficultés, mais nous, c'est de notre responsabilité. Qu'il y a des difficultés aussi pour les dirigeants de choisir les partenaires? Aujourd'hui, on a la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite qui semblent se dessiner comme de nouveaux partenaires pour les pays africains. Mais certains semblent se demander qu'est-ce qu'on aura comme plus-value avec des pays comme cela. Oui, justement, vous savez, en négociation, c'est œil dans les yeux. C'est quoi, les yeux dans les yeux? On ne peut rien estimer avant. C'est que voici ce que je mets sur la table. Qu'est-ce que tu me proposes? Ce qui est là, c'est que dans nos nations, généralement, nos chefs d'État, certains partent juste comme ça. Ils acceptent juste tout ce qu'on dit. Etc., etc. Et maintenant, juste que maintenant, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus multipolaire. Ça veut dire qu'on a le choix. On a le choix de commercer avec X ou Y. Vous savez, il y a cela quelques décennies, ce n'était pas possible. C'est une bonne partie. Vous savez, c'est pas des bruits, tout le monde voit. Les échanges entre les pays africains, par exemple, et la Chine sont, et la France sont en chute libre. C'est un secret pour le gêner. Vous savez, par exemple, ils sont publicités, vous savez que officiellement, Razen n'est plus au Cameroun. Parce que de plus en plus, on les a fait comprendre que non, on ne vous donne plus les marchés. Parce qu'on va vous surfacturer. On les donne aux Chinois, on les donne aux entreprises turques, les Égyptiens, l'Arab Contract, aussi les Égyptiens, aux entreprises tchadiennes et même camerounaises, etc., etc. Tout cela contribue. Aujourd'hui, des entreprises togolaises. Et togolaises, par exemple, etc., etc. Parce qu'en fait, il y a cela quelques années, tout était, c'était acquis pour eux. Rappelez-vous, il y a cela quelques années, la plupart des stations, c'était quoi? Ce n'était que tout ça. Oui. On a libéralisé. Or, quand je ne prends que le secteur du pétrole, vous savez, et c'est ce qui a fait tomber la Côte d'Ivoire de Barbo aussi, c'est que quand les stations ne sont que Total, sans publicité, il suffit qu'on donne les instructions à Total de ne plus approvisionner les stations en carburant. Et le pays est bloqué. Les gens ne peuvent plus aller au travail, ne peuvent plus aller à l'école, plus aller... Parce que y a, tout est contrôlé, tout le réseau dans beaucoup de pays africains, comme ça. Vous êtes dans beaucoup de pays, tout c'est... Mais au Cameroun, on s'est dit non, on ne peut pas. On en a payé le prix. Maintenant, ce qu'on fait, on crée une compagnie nationale, on a fait une filiale de la SNH, qui est Tralex, qui a un réseau de distribution sur le territoire camerounais et même hors du territoire camerounais, notamment en NCA ou alors en Guinée équatoriale. Ça fait que, à côté de cela, on a dit les nationaux aussi peuvent cibler, que ce soit Bocom, que ce soit tous ces gares que vous voyez là. Ça fait qu'en réalité, on a développé un pôle de multipolarité. Si demain, des gars disent qu'on ne va pas donner le carburant, ça va quoi, c'est pas un souci. Parce qu'ils font faire tous les prétextes. Mais au moins, on a pu se développer. Je vais dire, dans un contexte comme aujourd'hui, de plus en plus, on voit que si ils refusent, quand même le cacao, avant, c'est tout ce qu'on fait, c'est eux, tu peux vendre ton cacao qu'à la France. C'est pourquoi aujourd'hui, le cacao de la France, c'est quoi? Premier pays exportateur mondial. Premier pays exportateur en Europe des bois tropicaux. Alors qu'ils n'ont pas de bois chez eux. Parce qu'il y a des accords qui font que la plupart de nos bois, comme c'est les entreprises françaises qui sont installées ici, ça part d'abord en France. Et c'est les Français qui vendent ça. Je parlais dans un pays récemment, au Canada. Des gens disent que... Ils disent que les bananes mûres, par exemple, les bananes douces, il y a les bananes douces. On va voir d'un forum là-bas à Montréal. À Québec, ils disent, nous recevons les bananes ici. Je peux envoyer les plantains que je fais au Cameroun là. Ils disent que nous, on reçoit les bananes ici. Juste que ce qui est curieux, c'est que à plusieurs reprises, ils ont voulu traiter avec des producteurs africains, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun. La France a levé du doigt. Parce qu'en réalité,
la France prend de la banane douce chez nous, et en fait, elle expose au Canada. Je veux dire, avec une plus-value inimaginable. Et entre-temps, elle prend les dispositions pour qu'on ne peut pas traiter directement avec les Canadiens. Ce n'est pas officiel, mais il y a des barrières, un ensemble de certifications, de normes, de je ne sais pas quoi, qui vous découragent à pouvoir exporter au Canada. Je veux dire, je prends l'exemple sur la banane pour un truc que j'ai fait récemment, mais on me l'applique ça dans beaucoup d'autres secteurs, où elle aime que tout passe. Quand vous prenez les pays comme ça, à votre avis, pourquoi ici, quand vous écoutez les coûts des véhicules, mais c'est de la magie, quand vous prenez un bolide, 4x4 à 80 millions de francs CFA, à 100 millions de francs CFA, ce n'est pas le coût. La maison ne vend jamais assez à ces prix-là. Juste qu'une entreprise française qui est installée d'une ou d'une autre, je ne sais pas le nom, vous connaissez sans pub, il s'arrange à ce que tous les véhicules Toyota qui vont rentrer neufs, ou du moins la grande partie, au Cameroun, les gars triplent le prix. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, le coût des véhicules à l'étranger, parfois, c'est moins de la moitié que de ce qui est ici-là. Mais on dit toujours quoi? On vous dit toujours qu'en réalité, ce qui tue au Cameroun, c'est quoi? C'est la douane. Pourquoi les douanes sont si élevées? C'est des accords secrets qui sont faits. On s'arrange à décourager le Camerounais à pouvoir avoir le matériel. Quoi, vous voyez, certains partent même au Bénin. Les gens achètent des véhicules, ils font passer parfois par le Nigeria. Ils vont passer parfois par le Koutou. Pour lui, un navire qui quitte de la Chine traverse le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, longe tout le golfe de Guinée, traverse Douala, part au Bénin. Ça traverse le Cameroun, ça traverse le Nigeria, ça va loin au Bénin. Le véhicule là qui passe par le Bénin, on met du carburant, on paye un chauffeur. Pourquoi ça revient encore au Cameroun? Pour lui, c'est plus moins cher que de s'arrêter en route. C'est-à-dire que le raccourci est plus cher que le long trajet. À votre avis, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des accords pour s'arranger à ce que, pour décourager les Camerounais dans tous les cas. Et entre-temps, vous pensez, tout cet argent va où? Ça va de l'autre côté. Ça va de l'autre côté. Sinon, le prix d'un véhicule, que ce soit au Japon, que ce soit en Corée, que ce soit en Europe même, c'est pratiquement rien. Et pire, c'est que chez nous, dans le système économique mis en place, on s'arrange que chez nous, on ne paye les véhicules qu'en cash. Alors que chez personne ne paye rien en cash. Les gens mangent avec les cartes de crédit, pour manger. C'est-à-dire même pour manger un burger, ils payent à crédit. Puis tu n'as pas l'argent. Mais chez vous, on dit, si tu veux un véhicule, tu donnes 100 millions. Si tu ne veux pas, tu pars. À moins que ta banque s'engage à dire, OK, lui travaille chez moi, il pourra travailler les 50 prochaines années pour rembourser ce véhicule, etc., etc. Je vais dire, le système est mis en place, toutes les dispositions sont prises pour que nous soyons permanemment noyés. Si vous voyez que les richesses, par exemple, un pays comme le Qatar, vous savez, les richesses du Qatar sont à peu près au même niveau que le Niger. Le Qatar est extrêmement plus petit que le Niger. Mais quand on regarde les deux pays, on se demande, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le Niger est en train d'exporter son pétrole aujourd'hui là. Mais on se dit, ce pays a du gaz, ils ont du pétrole, ils ont de l'or, ils ont de l'uranium. Mais pourquoi c'est toujours comme ça? Et on fait un bilan clair. On a travaillé avec une puissance coloniale pendant plus même, parce qu'ils étaient là avant. Mais quel est l'impact? Mais aujourd'hui, il y a une possibilité. Mais il faut prendre du cran. Il faut prendre sur soi de pouvoir frapper. De pouvoir frapper du poing sur la table. Vous faites allusion à la Turquie. Enfin, de plus en plus, vous savez, les femmes, elles font tout plus. Je vais en Turquie. Pour le textile. Le textile, qui est de bonne qualité. Alors, vous savez que le textile que les Turcs vendent, c'est le même textile qu'il y a en Europe, mais qui venait ici à des coûts extrêmement élevés. Dans les prêt-à-porter. Et bien, je vais vous dire quelque chose. Moi, ce que j'ai vu en Chine, j'ai vu des Turcs. Des Turcs, les gars de Dubaï. On va dans les mêmes magasins là-bas en Chine. Parce que le coût est encore plus amoindri. Ils achètent en gros ou en la matière première, ils partent chez eux transformer, ils vendent à des prix extrêmement élevés. Ce que je dis, c'est que de partir en Turquie. Avant, on partait en France, mais non, on ne le fait plus parce que c'est extrêmement cher. On a travaillé les Turcs. On va à. Les gars partent à Dubaï. Pour eux, c'est abordable. Mais je dis qu'un Africain qui a un peu les yeux ouverts, qui prenne son vol, il part en Chine parce que le prix est encore plus abordable. Oui, et tout cela a un impact sur la population. Ça ne sert à rien si quelqu'un touche 50 000 francs CFA et qu'il achète un vêtement à un coût extrêmement élevé. Pourquoi ne pas voir dans quelle mesure? Ça, c'est important. Hein? Ce que nous parlons pour le textile, c'est pour l'ordinateur, c'est pour tout ce que nous avons à la maison. Pourquoi faire nos populations dépenser plus alors qu'il y a une possibilité de dépenser moins? Et pour cela, les États débrisent, que ce soit la Fédération de Russie, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine et tous ces nations, même la Turquie, elle est en train de vouloir entrer dans les BRICS. On peut avoir les choses à des prix, même des technologies. Tout récemment, nous parlions de on a fait un bon débat sur le chocolat. Vous savez que il y a des années, on n'a pas eu les chocolatiers chez nous parce que
les machines pour transformer les fèves de cacao en chocolat étaient extrêmement chères. Ce qu'ils vendaient, c'est les Européens. Mais maintenant, parfois même pas avec trop d'argent, vous allez en Chine pour 50 000 pour avoir. J'ai des amis qui ont ça. C'est pourquoi vous voyez, remarquez bien qu'au Cameroun, vous n'avez pas vu qu'il y a beaucoup de chocolaterie, il y a des marques de chocolat. Ah, vous savez pourquoi? C'est parce que maintenant, la coopération ouverte avec une nation comme l'Inde, avec une nation comme la Chine, permet d'acquérir des petits. On n'a pas besoin d'avoir des très grandes industries. D'accord. On commence d'abord à un niveau raisonnable et graduellement, au fur et à mesure qu'on a des moyens, on essaie de d'agrandir. Ok. Merci. Merci, docteur Dalmaris Ngoudjou. Eh bien, je vous propose une courte transition, le temps pour vous de respirer un tout petit peu. Et puis, on va revenir. Ce sera pour discuter de notre dernière thématique. On parle du sommet de l'OTAN, mais surtout du soutien de ces différents pays à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Les dirigeants des pays membres de l'OTAN, ils sont entrés aujourd'hui en sommet pour garantir cette fois-ci la défense de l'Ukraine face à la Russie. Il semblerait que l'Ukraine soit en train de vouloir surmonter plusieurs doutes et incertitudes en ce qui concerne l'aide, qu'elle soit financière, morale apparemment, envers son pays. Il y a ce soutien qui a été promis par les États-Unis, le soutien envers l'Ukraine qui est en tout cas porté, on va le dire comme ça, par les États-Unis aujourd'hui. On se souvient de cette déclaration de Joe Biden il y a de cela quelques heures. Celui-ci rappelait déjà que l'Ukraine peut arrêter Poutine et le fera. Ce sont des déclarations de Joe Biden avant que tous les pays ne soient présents sur le territoire pour la réunion des pays de l'OTAN. Docteur Ngoudjou, lorsqu'on observe aujourd'hui l'aide qui est acheminée vers l'Ukraine, la demande de l'Ukraine, que ce soit en armement ou encore en finance, est-ce qu'on n'a pas des aveux face à cette déclaration de l'instrumentalisation de l'Ukraine face à la Russie? Vous savez, Madame Bigoudet, un élément fondamental, quel que soit ce que vous faites, que ce soit les dossiers sur votre bureau, que ce soit les décisions que vous prenez à la maison, il y a ce qu'on appelle l'analyse du profil. Qui parle? Quelle est la crédibilité de celui qui parle? Qui m'a même écrit ce courrier? Quelle est sa crédibilité? C'est tout. Vous-même, quand vous voyez Biden là, dans votre cœur, même si vous êtes son époux, vous pensez qu'il a une crédibilité. Regardons, vous avez pu regarder le débat entre Trump et lui, vraiment. Certains ont pensé qu'il fallait le remplacer par Kamala Harris, par exemple. Par Michelle Obama aussi. Oui. Si les démocrates eux-mêmes pensent comme ça. Ce gars, il n'a aucune crédibilité. Même la voix, est-ce que ça sortait? Est-ce qu'il était perdu dans ses pensées? Parce que quand quelqu'un dit, affirme haut et fort, que l'Ukraine va arrêter la Russie, pas quel mystère. La Russie est la première puissance nucléaire au monde. Eux, ils savent, les Russes, ils ont plus de bombes nucléaires que les Américains. Officiellement, c'est plus de 6000 têtes. Ça, c'est officiellement. En matière militaire, les chiffres officiels, c'est pas la réalité. C'est toujours beaucoup plus. Comme j'ai dit un peu plus haut, la plupart des pays aujourd'hui qui ont accès à la technologie hypersonique, ce sont les technologies russes. Les Américains n'ont pas accès à la technologie hypersonique. C'est-à-dire qu'un pays est plus armé que vous, mais vous trouvez qu'un petit gringalet peut l'arrêter. Pas qu'un mystère. Les Russes n'ont même pas encore commencé à faire les choses. En matière d'hommes, vous savez, dans l'armée américaine, il y a une crise aujourd'hui. Depuis, vous savez, les Américains n'ont pas une armée professionnelle, contrairement à beaucoup de pays de par le monde entier. C'est-à-dire, chez les Américains, il n'y a pas une profession militaire. On fait un service militaire, on arrête. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'émigrés. Quand ils sont aux États-Unis pour avoir des papiers, on vous dit, OK, tu peux faire l'armée, ensuite tu auras tes papiers. Après, ils arrêtent. C'est pourquoi une bonne partie des gars que vous voyez, parfois dans les rues, que ce soit à New York, partout là, qui sont les SDF, c'est les gars qui ont servi dans l'armée. De plus en plus. Mais quand la population voit comment les anciens soldats qui ont servi dans l'armée sont traités, ça les encourage plus à partir dans l'armée. C'est pourquoi le Pentagon pioche chez les immigrés qui veulent des papiers. En d'autres termes, même en termes d'hommes, ils n'en ont pas assez. Les Russes, ils n'en ont permanemment. Parce que les Russes, non seulement ils ont une armée professionnelle, c'est-à-dire tu peux être militaire toute ta vie, mais en dehors de ça, il y a le service militaire. Le service militaire, c'est une préparation. Ça veut dire que tu vas faire 2 ou 3 ans de service militaire. C'est-à-dire que tu es un soldat, donc tu fais d'abord tes 2 ou 3 ans. Après, maintenant, tu fais comment? Tu peux faire ton travail civil.
Donc, par exemple, comme au Nigeria, quand tu as ton advanced level là-bas, après tu sers le service militaire, on te forme. Après, maintenant, tu peux être comptable, c'est pas journaliste, mais en fait, c'est un militaire en civil. En d'autres termes, s'il faut aller en guerre, un peu comme en Corée du Nord, la réserve militaire de la Russie, c'est autour de 6 millions d'hommes. C'est-à-dire en dehors de l'armée officielle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 6 millions d'hommes qui connaissent manier le matériel militaire, qui peuvent faire la guerre, mais qui sont dans les postes civils. Est-ce qu'il y a un match entre ça et les États-Unis? Je ne parle même pas de l'Ukraine. Donc, quelqu'un dit que vraiment l'Ukraine va arrêter la Russie. C'est avec les bras ou c'est avec les yeux? Parce que c'est pas possible. Parce qu'il se base sur tout ce soutien, en fait, tout ce tapage autour du soutien de l'OTAN et des différents pays à l'Ukraine. Très bien. Vous avez bien. Je crois qu'il faut regarder le profil, la qualité de la personne. Premièrement, quand on parle de soutien, est-ce que l'Ukraine reçoit l'argent là? Non. Un des fils de Biden a des intérêts extrêmement importants dans les lobbies en Ukraine. Oui. Deux, une bonne partie de l'argent, on fait un bon tapage dessus, mais une bonne partie n'entre pas en Ukraine. Une bonne partie va dans le complexe militaro-industriel des États-Unis, qui est censé donner du matériel militaire à l'Ukraine. Mais qui? Vous avez écouté Zelensky qui se plaint. En réalité, ils envoient le matériel qui est dépassé, qui est de mauvaise qualité, qui n'est pas efficace. Une petite partie de l'argent est distribué dans les paradis fiscaux. Une autre partie, puisque l'économie ukrainienne est à genoux, et on utilise cela pour payer les fonctionnaires en Ukraine. Et vous savez, l'Ukraine, c'est un des pays les plus mafieux, les plus corrompus de la Terre. Même les rapports américains du Pentagone établissent clairement que sur tout le matériel militaire qui a été envoyé en Ukraine, il y a jusqu'à 5% qu'on ne parvient pas à établir. C'est parti. Donc, on ne soupçonne même pas. Hein. Premièrement, on ne sait pas comment dégager le matériel militaire. Mais on dit que le matériel est arrivé aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on envoie le matériel sur le front à Bakassi. Oui. Mais à Bakassi, on sait qu'on a envoyé le matériel. C'est pas sur le front à Garoua. Entre-temps, on a signé que le matériel est entré. Ce matériel, c'est les Ukrainiens, c'est des mafieux. En matière de vente d'armes, c'est des mafieux. Donc, pour vous dire que même l'impact, même les aides qu'on annonce officiellement, vraiment, c'est très peu d'armes qui arrivent sur le champ de bataille. Et très peu d'armes de mauvaise qualité que les Russes prennent le soin de détruire à tout moment. Jusqu'à remarquer bien, les Russes prennent le temps. Tout récemment, je crois qu'ils ont détruit le système Patriot américain. Peut-être 4 en une journée. Hein. C'est le système antimissile le plus puissant du monde occidental. Etc. etc. Je vais dire, on a beau chanter qu'on a envoyé. Je vais dire, même une analyse froide de la situation, même si on avait vraiment envoyé le matériel là, les Ukrainiens ne pourraient rien. Quand les gars partent dans un pays, la force d'un pays, c'est la jeunesse. D'abord, on a tué une tonne de jeunes là. Ce qui fait que maintenant, ils ont rabaissé l'âge du service militaire jusqu'à 17 ans. Croyez-moi, vous et moi, nous sommes passés par l'âge de 17 ans. À 17 ans, on n'est pas aguerri. À des gars qui ont fait le FSB, à des gars qui ont fait le KGB, à des gars dont leur travail, c'est la guerre, à des gars de Wagner, à ces gars de la 11e division. Vous prenez les gamins de 17 ans à qui vous avez donné les kalaches, vous estimez qu'ils vont aller combattre par contre ces gens qui vont s'en sortir? Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je ne parle qu'en termes d'expérience. Pour former un militaire, ça prend combien de temps? Pour atteindre rien que le grade de sergent, ça prend combien? C'est des années. Même en termes de pilotes d'avion, quand les gars disent qu'ils vont former les gars qui vont utiliser les F-16, d'abord, premièrement, les moyens technologiques, les Ukrainiens, comme beaucoup les gars, les soviétiques, n'ont pas utilisé les F-16, ils utilisaient les MiG. Ils utilisaient les MiG et les Sukhoi. C'est-à-dire c'est une technologie qui est totalement différente pour eux. Et même pour les piloter, même quand vous êtes américain, vous avez grandi dans l'ère occidentale, il faut des années, des heures de vol pour connaître. Voyez, en quelques jours, on peut les faire comme ça. On va appuyer sur un bouton et ça rentre dans vos têtes. Non, c'est pas comme ça. Pour des gars qui ne parlent même pas. Rien que la balle de la langue. De la langue, juste. Vous parlez en anglais, c'est des gars qui parlent le russe. Ils parlent le russe pour certains, certains parlent l'ukrainien. Vous faites comment? Il faut des années. C'est pourquoi, vous savez, dans la plupart des pays sérieux, même ici au Cameroun, quand on envoie des gars se former, que ce soit à Moscou, que ce soit en Chine, il y a une année, même pour les civils, si vous allez en Chine fréquenter, vous faites, il y a une année de langue. Parce que vous devez apprendre la langue avant de dire, sinon vous ne pouvez rien. Ça va être très difficile. Non, il faut apprendre là. Ensuite, il faut utiliser le matériel militaire de pointe. Je veux seulement dire que, en fait, c'est vraiment de rêver en couleur que de penser que l'Ukraine peut arrêter la Russie. Ça, c'est là. Mais maintenant, que ce soit quelqu'un qui n'est pas véridique qui le dise, ça fait encore de rêver deux fois en couleur. Mais au-delà
du rêve en couleur, il faut quand même remarquer que le président est en train de partir. Est-ce que je peux, je parle de Biden. Oui. Ce que je peux retenir, c'est qu'il y a de cela à peine quelques jours. Vous savez, le secrétaire général de l'OTAN, il part, Stoltenberg, il est remplacé par Mark Rutte. Et dans son discours, parce que je crois que le sommet à Washington, ce sera le dernier pour lui, il disait, il a dit quelque chose, il faut toujours tenir compte de cela. Il dit, personne n'avait jamais promis à l'Ukraine qu'il va être membre de l'OTAN dans les 10 prochaines années. Fin de citation. En d'autres termes, on a fait beaucoup de promesses. Mais puisque la promesse n'a jamais été écrite quelque part, puisqu'il n'y a pas eu un chronogramme, vraiment, c'est comme les promesses pour lui, qui n'engagent. Et plus tard, d'autres personnalités, toujours de l'OTAN, ont rappelé que c'est lorsque l'Ukraine aura vaincu la Russie qu'elle pourra rentrer au sein de l'organisation. C'est pas la sorcellerie, ça. Comment vous pouvez parler? C'est comme si on vous donne un cordon, on dit signe d'abord. Sinon, je vais te dire. Tu signes, tu travailles. On dit que maintenant, quand tu signes, tu ouvres les. On dit, mais non, c'est pas ça. On écrit maintenant que non, il y a une clause qui dit que c'est quand tu devais gagner. C'est quand tu devais d'abord travailler. On va te dire que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Parce que les Ukrainiens, en fait, dans les forces parallèles, disent qu'ils sont en train de vouloir une négociation. Il y a des négociations, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'Ukraine est à genoux. Et Vladimir Poutine se dit de plus en plus ouvert justement pour les négociations, mais on le voit bien à cette déclaration que ni les États-Unis, ni la France et ni ces autres pays ne sont pour les négociations. Attendez, la dernière, le dernier sommet par exemple qui s'est tenu du G7, eh bien les pays se sont réunis et des enveloppes ont été promises. On se souvient encore de comment les membres de l'OTAN ont été d'une certaine manière forcée de contribuer pour aider à l'Ukraine, car les États-Unis, derrière la voix de M. Viktor Orban, estimaient que seuls les États-Unis participent réellement et les autres ne font que des promesses, et qu'il fallait que chaque pays soit maintenant obligé de donner sa quote-part pour atteindre une enveloppe qui pourrait tenir sur les 5 prochaines années. Tout cela parce qu'on craint, par exemple, un retour de Donald Trump et que l'aide militaire ou financière envers l'Ukraine soit justement complètement coupé. Dans tout cela, on ne sait pas. D'abord, Trump est clair. Il estime, ce qui n'est pas faux, que les Américains contribuent trop dans cette guerre. Et il dit que c'est une guerre des eaux, c'est sur le continent européen. Nous sommes ici, là, sur le continent américain. Pourquoi on va payer plus alors que c'est chez vous? Donc, il a raison de dire que ces gars doivent contribuer. Il a d'ailleurs estimé que Volodymyr Zelensky était l'un des meilleurs hommes d'affaires. Chaque fois qu'il va à Washington, il rentre avec 60 milliards. Il rentre avec 60 milliards. Et avant même d'atterrir, il dit que ça ne suffit pas. Effectivement. Oui, oui, que c'est un bon vendeur. Il vend, il fait bavard, donc 60 milliards, il rentre avec. Maintenant, à côté, je disais, quel que soit ce qu'on donne à l'Ukraine, elle ne peut pas tenir. Mais non. Les Américains ont prié, même quand on parle de négociation, vous savez, actuellement on ne peut pas faire une négociation parce que le président est illégitime. Son mandat est fini depuis mai. Nous sommes en juillet. Et il n'est pas apte à pouvoir négocier. Même à parler, même tout ça, c'est du vol. Même signer, de prendre des prêts d'argent au nom de l'Ukraine, son mandat est issu. C'est un président qui est illégitime. Ça, c'est d'un. À côté, il y a le fait que lui-même, il a inscrit dans la Constitution européenne qu'il ne va pas faire une négociation avec la Russie. C'est inscrit dans la Constitution. C'est une loi. C'est-à-dire que même penser, tout ce qu'ils font là-même à Genève, ils se croient dans une convocation. C'est-à-dire que quelqu'un dit que moi, je ne peux pas parler avec toi. Après, il passe par là, il dit que je peux parler avec elle. Mais pourquoi alors? Quelqu'un met l'enveloppe sur sa bouche, je ne sais pas quoi, la bande sur la bouche, pour ne pas parler. Ensuite, lui veut enlever un peu pour parler. Mais tu enlèves tout. Et pour le faire, il faut d'abord passer par le parleur. Parce c'est inscrit dans la Constitution. C'est une loi qu'il a votée. Sous la pression des Britanniques. Effectivement. Si les gars peuvent parler de négociations, comment peuvent-ils le faire ouvertement? D'abord, sur le plan légitime, il n'est pas légitime. Actuellement, normalement, c'est le Parlement qui peut prendre la décision. Même pour que le Parlement prenne la décision, il faut abolir cette loi qui refuse les négociations avec la Fédération de Russie. La Russie s'était déjà dit prête à négocier, mais ne pouvant pas, étant donné qu'il n'y avait pas d'autorité compétente et légitime pour mener les discussions. Justement, et c'est pourquoi je dis, vraiment, les Russes, c'est des grands joueurs d'échecs. C'est des gars qui ne courent pas beaucoup.
Mais le temps met tout le monde à sa place. Parce qu'ils n'ont pas... Les gars sont... Ils partent, ils font des têtes de loi, ils montent, ils bavardent. Mais pourquoi on parle des négociations alors que vous, dans votre conscience, c'est écrit que vous ne devez pas négocier avec la Russie. Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc, quand les Russes disent que... Pour rebondir sur votre question, quand les Russes disent que nous sommes disposés à la négociation, oui, et que nous sommes prêts, mais c'est vous qui n'êtes pas prêts. C'est vous qui n'êtes pas sincères. Parce que, premièrement, vous êtes illégitime. Deuxièmement, vous avez inscrit dans votre condition qu'on ne peut pas négocier. C'est vous qui menez les gens en bateau. Merci, merci docteur Dalvaris Ngoudjou pour vos analyses apportées dans le cadre de cette émission Regard panafricain qui est parvenu à son terme. Le temps, ça passe vite, hein, finalement. Oui, c'est vrai. 15 heures déjà. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, docteur Dalvaris Ngoudjou, on se retrouve très bientôt dans le cadre de cette émission sur For You Radio. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On n'oublie pas la mise en onde. Kelley était avec nous derrière les caméras également. À très bientôt à tous. L'information et les programmes se poursuivent.